Kevin. Thank you.
venu nous rendre visite. Voilà, délégation martiniquaise, le Chanel Le Grec, Monsieur Victor Dunel, Monsieur Bernard Barbet, Monsieur Verduron. Supporters de la Martinique, applaudissez bien fort votre équipe. Il faut être parfait. Les Martininos. De l'autre père, Victor Lurel, avec le président de la Fédération française de football, M. Noël Leprêt, Bernard Barbet, président de la NFA, et Claude Verduron, président de la Ligue de Paris de France, vont maintenant récompenser ceux qui remportent cette troisième édition, mesdames, messieurs, l'île de la Réunion. Avec Mathieu Pélox, Johan Lionel, Christopher Achou, Fouefou Ali, Sébastien Louis Fini, Bertrand Vador, Alexis Yalachamba, Alexandre Delnar, Mohamed El Magad de Jamal Dagri, Éric Faron, Jean-Michel Fontaine, Gaël Payette, Christopher Pitti, Michael Vallant, Anthony Palanini, Gérard Hubert, Roberto Alcaman et Michael Grondin et le coach Jean-Pierre Bade et tout son staff. Hein? En tout cas, à un moment donné, on n'a pas mis dedans, on n'a pas mis le deuxième fois, on n'a pas bien les deux votes. Pas. Je pense que ça peut être... Merci et vibrer avec cette équipe qui cette année... remporte la troisième édition après avoir échoué également au tir au but il y a deux ans à Créteil. C'était chez Jean, mais là cette année c'est ici. Là voilà la coupe, mesdames, messieurs, la coupe de l'Outre-mer brandie par le capitaine de la Réunion. Tous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci encore à tous les médias, je vous l'ai dit, toute la presse, la télévision bien sûr, François qui a transmetté. On n'oublie pas la presse écrite de Parisien, on l'a dit. Et les confettis. Ça va bien. Voilà. Magnifique ces confettis, Wendy Renard et notre célèbre Teddy Riner également, qui est venu nous filer un petit coup de fort sympathique, et tous ceux qui nous ont aidés dans toutes les villes où ont eu lieu cette coupe. Merci à vous. We are the champions. Une belle fête, une superbe fête. Les gens des Outre-mer savent mettre de l'ambiance dans les tribunes. C'est une belle fête. Elle était déjà très belle en 2010. Là, elle était superbe, avec un bel esprit.
un bon esprit, avec deux équipes équilibrées, il faut le dire, même si la Martinique diminuait d'un homme à soutenir la dragée haute à la Martinique. La Martinique a trouvé plus de cohésion depuis quelques temps, c'est bien. Mayotte est une équipe étonnante. La Réunion est une belle équipe. Bon, elle est toujours favorite. Et donc, là, ça s'est fini de manière un peu palpitante. Un peu comme en 2010, c'était tir au but. C'est bien, c'est très beau. Il faut recommencer. Il faut voir si on peut décentraliser ça. Voilà. Mais il faut trouver les moyens. Oui. Il faut trouver les sponsors. Mais il faut trouver et les moyens, et la logistique, et le public. L'enthousiasme sera là, la ferveur sera là. Mais il faut organiser ça. Et deux ans, c'est pas trop. Merci, monsieur. C'est moi. Jean-Pierre Badang, vous l'entendez.